Bonjour, salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, parce qu'effectivement, je fais plus de vidéos en arabe que de français, et je vous remercie les amis qui me rappellent que effectivement vous souhaiteriez bien comprendre aussi ce que je raconte. Je parle de mes amis francophones. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous cette petite vidéo en fait en français. J'en ferai une autre en arabe et une autre en espagnol pour mes amis espagnols. La vidéo ou les vidéos que je fais d'habitude en arabe, alors pourquoi? Parce que bon, déjà parce que j'habite au Maroc et donc j'ai plusieurs amis marocains qui parlent arabe. C'est plus facile peut-être. Certains d'entre eux ne comprennent pas non plus le français, donc je fais la vidéo en arabe par naturellement quoi. Mais ceci dit, je ferai un effort dans les prochaines vidéos de faire aussi des vidéos en français afin que vous, amis francophones, puissiez aussi comprendre ce que je raconte. Alors ce que je raconte en gros pour les anciennes vidéos, c'est juste ma façon de faire, mon élevage, partager un peu cette passion-là avec ces amis-là, des fois virtuels, mais des fois aussi des amis proches qui ont cette même passion-là. Alors ça peut être une vidéo lors d'une saison de reproduction, de mue, etc. Ça peut être aussi une vidéo lors d'une activité hebdomadaire, journalière, etc. Donc c'est vraiment un partage d'expérience, de savoir-faire peut-être, mais ça reste quand même une façon propre à moi de faire, qui n'est pas forcément la vôtre. Donc je vous conseille de pas forcément prendre ce que je dis au premier degré. Si ça vous arrange, tant mieux. Si vous avez une autre façon de faire, continuez à faire comme vous le faites. L'essentiel, c'est que ce que vous faites vous fait arriver à ce que vous fixez comme objectif. C'est le plus important. Après, ça peut être d'une manière différente. Je vous invite aussi à partager avec moi cette façon de faire qui est différente de la mienne. J'y apprendrai aussi plein de choses, j'imagine. Voilà, donc ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nabil, alors j'habite au Maroc, je fais un élevage de canaris de posture, de Gloucester, puis de Frisé du Nord. Donc ma pièce d'élevage qui est de 4,5 m par 2,5 m. Ça se divise en deux parties, la partie de droite, donc la partie Gloucester, et la partie gauche, la partie Frisé du Nord. Alors je faisais avant... Avant l'année dernière, il y a 2 ans, je faisais d'autres races, à savoir des frisés. Mais là, j'ai essayé de sélectionner un peu, de réduire un peu les catégories. Pourquoi? Parce que ceux qui font des concours comprendront. Quand on veut sélectionner, vaut mieux avoir peu de races. Sauf si on a bien sûr assez d'espace et on a assez de personnes pour nous aider, ce qui n'est pas le cas pour moi. J'ai peu de temps, j'ai peu d'espace et j'ai pas des personnes pour m'aider quoi. Donc ce que je le fais seul, et pour cela en fait j'ai décidé de réduire un peu les catégories pour me concentrer et augmenter peut-être le nombre de couples dans les catégories. Donc cette année-là je partirai sur 48 couples. C'était difficile de réduire, sachant que l'année dernière j'étais à 56. Donc 48, je vais faire 36 couples en Gloucester. Quand je dis je vais faire, tout dépend bien sûr du début de saison. On n'en est pas encore là. Et 12 couples de Frisé du Nord. Alors quand je dis début de saison, normalement moi je débuterai si tout se passe bien le 26 ou 27 février, donc la fin du mois. On est aujourd'hui le 12 février. J'ai commencé aujourd'hui à donner la vitamine E et calcium qui va être administré pendant 15 jours jusqu'à le 26, jusqu'au week-end du 26-27. Maintenant, si les femelles sont prêtes et les mâles sont prêts, ce week-end-là, je les mettrai ensemble. Sinon, ils attendront le week-end d'après. À savoir aussi, donc avant la vitamine E et calcium, j'ai administré pendant 5 jours, donc du 29 janvier au 2 février, un antibactérien, un antioxydant à base d'origan, donc de la marque Quicomed, c'est ce que j'utilise. Et avant, bien sûr, je note ici la formation des couples le 16-1. Alors, quand je dis formation de couple, c'est mâle en face de femelle. Bien sûr, il y a la sélection, c'est pas juste au hasard. On poursuit un peu et on suit un peu
ce qu'on a réalisé déjà les années d'avant, donc en termes de lignée, et on continue dans ce sens-là en sélectionnant les mâles qui vont compléter les femelles. Ma façon de faire, alors déjà, bon, j'utilise des cages de 45 cm pour chaque couple, 45 cm sur 36 et 34 de haut, qui se divise en deux, comme vous pouvez voir. Cette cage-là, c'est la même en double ici, dans une cage de 90 qui se divise en 4, et pareil, 36 en profondeur et 34 en hauteur. Pourquoi ces mesures-là? Parce que c'est ces mesures-là qu'on va retrouver après dans ces cages de concours de posture que vous connaissez pour les éleveurs de posture, donc qui sont de 22,5 de largeur ici, 36 de profondeur et 34 de hauteur. Donc si on fait 22 x 2, ça fait 45, c'est ce qui représente cette cage-là, et encore x 2, ça fait 90. Maintenant, pourquoi j'utilise des cages artisanales? Comme vous pouvez le voir, parce qu'effectivement, bon, j'ai pas assez d'espace encore une fois pour avoir des cages de reproduction, puis je les sors pour ramener dedans, dans la pièce d'élevage, des cages de concours. Donc ces cages-là me servent à reproduire, mais aussi à faire la sélection de concours et à séparer les oiseaux quand il faut, après la période de mue. Aussi parce que j'utilise des mangeoires à ce niveau-là en hauteur, donc pour que l'oiseau ne puisse pas salir sa queue quand il est en train de manger. Contrairement aux cages de commerce en fait qu'on trouve dans le commerce, où les mangeoires sont en bas et donc après ils sont pas forcément séparables en 4. Il y en a qui sont séparables en 2 seulement. Donc moi j'utilise aussi la séparation parce que pendant la reproduction, on sait très bien que la femelle, quand elle veut faire son deuxième nid, je préfère ne pas laisser les petits avec elle longtemps parce qu'elle peut les déplumer, les piquer. Elle peut aussi, les oiseaux, les petits jeunes, ils peuvent aussi aller dans le nid et le salir. Donc je préfère les séparer avec une grille et elle peut leur donner la béquille quand je vais leur donner la béquille à travers la grille. Donc c'est pour ça, voilà, on trouve pas dans le commerce des cages qui se séparent toujours en deux pour cette taille-là de 45 ou en 4 pour les tailles de 90 voire 1 mètre. Maintenant la séparation, c'est une séparation, c'est une grille où ils peuvent se voir. Comme vous pouvez le constater, moi j'utilise pas une séparation vraiment qui va cacher le mâle de la femelle et juste l'entendre. C'est ma façon de faire encore une fois. Vous pouvez peut-être vous faites peut-être différemment, donc il n'y a pas de souci. Essentiel, c'est que quand vous retirez la grille, peu importe transparente ou pas, que le couple se connaisse. Moi j'utilise cette façon-là depuis des années et ça me va. Ceci dit, voilà, quand je disais tout à l'heure, j'ai formé le 16 janvier, ils étaient en face l'un de l'autre. C'est-à-dire que depuis le 16 janvier jusqu'au 26 février, ça fait un mois et demi, ils se voient, et ils se voient que entre eux. C'est-à-dire que cette cage-là, qui est la cage 2, ne voit pas la cage 7. Le mâle qui est la jaune intensive là, ne voit pas la femelle qui est juste à côté. Les femelles sont toujours à droite chez moi, et les mâles à gauche, c'est juste une question de pratique. On peut mettre l'inverse, vous pouvez faire ce que vous voulez, qu'encore une fois, c'est ma façon de faire. Je numérote les cages, comme vous pouvez voir. Je pense que vous numérotez tous les cages, pour ceux qui suivent du moins leur reproduction sur papier ou sur ordinateur. Mais ce que je fais de plus, moi, c'est que je numérote aussi les oiseaux. Donc à savoir, là par exemple, 171, 176, ce sont deux oiseaux jeunes de l'année, à droite la femelle et à gauche le mâle. Maintenant, pourquoi je fais ça? Parce que ça m'évite à chaque fois d'aller chercher l'oiseau et de chercher sa bague pour chercher ses parents ou ses frères ou les petits si c'est un oiseau adulte. Bien sûr, ça je peux le faire que quand ils sont seuls dans leur cage. Bien sûr, quand ils sont en volière, je pourrais pas le faire parce que voilà, c'est évident. Après, j'ai cette année-là, comme je disais, je vais aller sur 48 couples. J'ai décidé de ne pas reproduire sur cette rangée la toute dernière. Pourquoi? Parce que 1, j'ai pas de temps. 2, j'ai fait ma sélection de ce que j'avais, ce que je voulais garder. Et 3, parce que je laisse un peu de place pour les petits qui vont arriver. J'ai aussi des volières là-bas comme vous pouvez voir, et j'ai ces volières là de 1,20 m que je lave et que j'emballe pour qu'elles restent propres le jour où les jeunes vont arriver
pour les mettre dedans. Maintenant, je garde une cage comme ça de 1m20 où je vais mettre les Gloucester qui ont un surpoids. Comme vous savez, quand on a, quand on fait des oiseaux, on va dire de forme, comme le Gloucester, le voilà, le Norwich, etc. C'est des oiseaux qui prennent facilement du gras. Et pas que ça, hein, enfin pas que ces oiseaux-là, plusieurs oiseaux peuvent avoir un surpoids avant la reproduction. Vaut mieux les mettre dans une cage pour les entraîner un peu, pour les faire un peu perdre ce poids-là, pour qu'ils puissent se reproduire facilement et avoir plus de chances d'avoir des petits. Maintenant, j'essaierai dans une autre vidéo de vous faire comment moi je fais. C'est pas sorcier non plus, c'est une cage comme ça avec deux perchoirs et on les laisse exercer entre mâles. S'ils sont un peu excités, ça va courir derrière. Et donc c'est l'idéal pour perdre du poids. Bien sûr, on baisse un peu la nourriture un peu grasse aussi et ça devrait le faire. Sinon, alors j'ai des cages bien sûr en hauteur pour les concours que je vais bientôt emballer aussi pour qu'elles restent propres. C'est des cages que je vais utiliser pour les oiseaux de concours plus tard pour la sélection. J'ai des oiseaux de secours que je garde ici, comme vous pouvez voir, c'est des frisés du Nord. Bien sûr, comme vous le savez, le jour où on fait la formation de couple, entre ce jour-là et le jour de la reproduction, le premier jour, de la lâcher, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des femelles qui deviennent mâles, etc. ou inversement aussi. qu'est-ce que je voulais dire? Alors j'utilise bien sûr la lumière naturelle à travers ces deux fenêtres et la porte, mais j'utilise aussi donc une lumière artificielle. Pourquoi? Parce que j'habite au rez-de-chaussée et j'essaie d'allonger un peu le jour pour pouvoir commencer fin février, sinon je commencerai mi-mars, début avril. Ce qui m'entrave un peu le projet concours plus tard, parce que voilà, quand on a des oiseaux qui naissent en avril, c'est difficile de concourir avec des oiseaux en décembre qui ont 8 mois ou 9 mois ou 10 mois quoi. Voilà, donc je vais faire un petit tour rapidement pour partager avec vous un peu mes coupes de cette année là. Comme je disais là, les femelles sont à droite et les mâles sont à gauche. Donc là c'est le premier couple de Gloucester, etc. Donc deuxième couple. Alors il faut savoir qu'on est, voilà, moi je suis à 12h, je pense 40, même pardon, 12h20 de longueur de jour, enfin de lumière. Et donc bientôt ça sera 12h30 et normalement les mâles commencent à prendre forme, c'est-à-dire que quand je dis prendre forme pour la reproduction, c'est-à-dire qu'ils deviennent un peu plus fins et ils perdent le poids naturellement parce que la testostérone commence à s'agiter dedans. Mais il y a effectivement d'autres mâles qui sont encore en forme, en rondeur comme vous pouvez le voir. Et donc là c'est des mâles des fois qui sont presque prêts. Et tant mieux, parce qu'un mâle Gloucester, hein, vaut mieux qu'il soit fin. Je parle de la reproduction, je ne parle pas pendant le concours où on le met dans des cages plus petites et il prend plus de forme parce qu'effectivement voilà, il s'exerce moins et il est moins excité quoi. Ça c'est une femelle qui est sous seule, qui attend encore un mâle. Alors je ferai plus tard peut-être des vidéos sur les accouplements. Comme vous le savez, je dis toujours, et les éleveurs de posture le savent, la posture, c'est enfin les oiseaux de posture, ils s'élèvent pour leur forme, pour leur taille, pour leur position, pour voilà, enfin pour leur plume peut-être, mais pas forcément que pour leur couleur. Donc quand on fait des accouplements, il faut bien choisir le mâle qui va avec la femelle et qui la complète, ou l'inverse, donc la femelle qui complète le mâle. Et pas forcément choisir que des oiseaux qui vont faire sortir des couleurs, certes belles, mais parfois on perd la forme et on perd la taille, etc. Et c'est dommage parce qu'après on ne reconnaît plus l'oiseau de posture. Donc ça c'est mes oiseaux de... mes couples de Gloucester. Et là donc j'attaque les frisés du Nord. Les frisés du Nord pareil, hein, même histoire d'accouplement. Donc toujours il faut qu'un mâle puisse compléter la femelle. On le voit bien sur ce couple là. Donc le mâle à gauche avec plus de volume, la femelle à droite avec plus de finition, de dessin en fait. Elle est presque prête, elle commence déjà à se déplumer le dos.
Donc voilà, on va chercher ce mâle-là qui va compléter la femelle, parce qu'elle a moins de volume, mais elle est plus définie dans les trois frisures qu'elle a, et donc c'est ce qu'on cherche. Et on finit par le dernier couple, donc le couple 48, avec un mâle donc le plus vieux de l'élevage, à savoir 2017, qui est encore en bonne forme, j'espère qu'il reproduira cette année-là. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Le but de cette vidéo, c'est pas de donner des leçons quoi que ce soit, c'est au contraire, c'est de partager avec vous ma façon de faire, ce que je fais, ce que j'utilise, voilà, comment je fais. Je pense que c'est une saison qu'on attend tous avec impatience, il y en a certains qui ont déjà commencé, donc je vous souhaite une très bonne saison, et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, une bonne préparation aussi. Soyez patients, il ne faut pas des fois aller très vite, prendre le temps, attendre que les oiseaux eux-mêmes commencent à chercher en fait à se reproduire, et pas les forcer, les pousser malgré eux à se reproduire. Voilà, bah écoutez, je vous promets encore une fois de faire des efforts pour faire plus de vidéos en français. Désolé pour le passé, mais voilà. Ok, allez, ciao.